place Sainte-Catherine, un 24 juillet. Nous sommes en pleine journée et la foule a quelque peu déserté les lieux. Les commerces sont ouverts, mais les terrasses d'ordinaire tellement prisées ne sont fréquentées que par quelques courageux. Ils prennent plus des plats froids, tout ce qui est entrée froide, etc. Ça fonctionne bien. Ouais. Il fait beaucoup trop chaud, c'est insupportable de manger en terrasse. C'est mieux de manger à l'intérieur quand il y a de la clim. Vous le sentez sur la clientèle, les gens demandent un endroit frais ? Bien sûr, on le sent très fortement. À deux pas de là, la foire du midi a des allures de ville fantôme. Tout y est prêt pour faire la fête, mais bon nombre d'attractions n'ouvriront qu'en soirée. Quand il fait chaud, c'est bien. C'est bien de le faire. Aujourd'hui, il faudra attendre. Malheureusement. Il s'agit d'une décision des forains eux-mêmes. Ce sera comme ça mercredi, jeudi et sans doute vendredi également. Je vais vous dire franchement, quand il fait chaud comme ça, si on ouvre à 7-8 heures, c'est bien. Au lieu d'ouvrir à 3 heures, il n'y a pas un rat dans la rue, c'est normal. Il fait beaucoup trop chaud, ça arrive. Autre secteur, autre mesure, la ville de Bruxelles rappelle plutôt ses ouvriers. Ceux-ci ont pour mission l'entretien des bâtiments. On leur évite le pic de chaleur de l'après-midi. Beaucoup s'hydrater, faire le maximum pour essayer de rester bien et se rafraîchir au maximum. Pour les collègues plus âgés, c'est peut-être plus dur que pour vous ? Je pense bien. On a adapté le planning comme tout le reste de la ville, à savoir 3 demi-jours. Mercredi, jeudi, vendredi. Concrètement, les équipes vont travailler normalement au matin en prenant bien soin de se protéger de la température et revenir plus tôt pour rentrer à leur domicile à 13h ici. En ville où la pierre et le béton mettent du temps à refroidir, la chaleur résiduelle pourrait se faire sentir jusqu'au week-end.